Bonjour à tous, dimanche 14 février, bonne Saint-Valentin à tous. Profitez bien de ce dimanche pour vous entraîner, pour être performant après avec votre copine. On va faire le warm-up. Donc la line drill. Line drill, c'est tout ce qui est échauffement articulaire et conditioning avant de courir. Ok. Donc ici, on a remonté le genou en statodynamique. Hop. Et ensuite, on l'a en dynamique. Ensuite, on a talon-fesse ici, même chose en marchant, et après, en dynamique ici. Okay. On va ensuite squatter, marcher en canard, okay. Ensuite, on va marcher en bear crawl ici, marcher aussi en deux pieds, marcher sur le talon. Vous faites tout ça sur des longueurs à peu près de 15 mètres, c'est pas mal. On va aller chercher ici, allonger les ischios. Donc vous faites plein d'exercices qui ont rapport avec la course pendant au moins 10 bonnes minutes, ok, histoire de bien faire monter le cardio. Ensuite, on a la mobilité. On va faire front rack. Donc, on va se mettre sur un banc ici. Voilà. On va descendre la poitrine au sol et garder bien les mains vers le ciel. Ensuite, on va faire les poignets. Vous mettez le poids de corps en avant ici. Hop. On tend bien les bras pour bien twister les poignets, une minute à peu près par mouvement. Et ensuite, chill de pause. Ici, je ramène le poitrine au sol, les fesses dans les talons. Et j'ai remonté le tout pendant une minute. Alors là, il va falloir bien m'écouter parce que ça va être technique. Il y a le Metcon. Vous aurez 4 rounds à faire. Okay, 7 minutes par tour. Ça marche. Dans les 7 minutes, c'est divisé en deux parties. Il y a une partie de 4 minutes et une partie de 3 minutes. On va d'abord commencer par la partie de 4 minutes. Vous avez 20 secondes on, 10 secondes off, donc 30 secondes de travail. Okay. Donc vous avez 20 secondes on. Sur le premier tour, vous avez des reverse lunges à faire. Donc ça, c'est pour la première fenêtre de 4 minutes. En 20 secondes, vous faites reverse lunges en front rack. En 20 secondes, une fois qu'on a fait les 20 secondes, on a 10 secondes de pause. Et ensuite, on repart. Tac. Donc ça, vous le faites pendant 8 fois. Ok, 8 fois 30 secondes. Ok. Donc ça vous fait 4 minutes de travail. Ensuite, quand on a fini les 4 minutes de travail, on fait 3 minutes ensuite. Vous avez 400 mètres de run à faire le plus vite possible. Donc si vous finissez avant, vous avez un petit peu de récupération. Si vous pouvez, vous avez 500 mètres de row ou 1000 mètres bike. Vous avez trois solutions. Donc, soit 400 mètres run, soit 500 mètres row, soit 1000 mètres bike. Une fois que vous avez fait ce premier tour de 7 minutes, vous avez un deuxième tour. Au lieu de faire des reverse lunges, vous ferez des strict press. 20 secondes on, 10 secondes off. Je peux changer de bras, je fais comme je veux. Hop. Ici. Ça marche. Ensuite, même chose pour les 3 minutes, pour les 3 minutes restantes. Vous avez le choix entre le run, le row ou le bike. Troisième round, vous faites des front squats. Soit ici en front rack. Maximum. Donc pendant 20 secondes, 10 secondes de pause, et ainsi de suite. Et sur le quatrième tour, vous ferez des bent over row ici. Si vous avez possibilité avec deux dumbbells, vous faites tout forcément avec deux dumbbells. Si vous en avez qu'une, vous faites avec une. Voilà. Donc c'est toujours 4 tours de 7 minutes. Les 4 premières minutes, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. 20 secondes de travail, 10 secondes de repos pendant 4 minutes. Et ensuite, on a 3 minutes. Le cardio à faire, si vous finissez le cardio avant, vous avez un peu de récupération. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne Saint-Valentin. Bisous tout le monde.